want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask what made you wanna live this kind of life. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axiom 5 et je suis en compagnie de Tedrachix. Salut. Notre let's play sur Borderlands, l'épisode numéro 3. Moi j'ai eu un petit fail au niveau de l'épisode 2, donc j'ai récupéré l'épisode 2 de Tedrachix. Exactement. Tout simplement, voilà. Parce que j'ai eu des petits problèmes, en fait, au niveau du montage. Voilà, et donc, entre l'épisode 2 et 3, on a fait une petite pause. Du coup, quand on est revenu, il y a eu des mobs. Des petits noobs à tuer. Du coup, je suis passé niveau 5, voilà. Et je vais mettre ma compétence. Et moi, je suis toujours niveau 4. Je peux acheter, par contre, des munitions. Oui, ouais, mais est-ce que c'est vraiment le coup? J'ai aussi récupéré deux armes, d'ailleurs, je précise. J'ai mon SMG que j'ai remplacé en fait par un machine gun, alors j'ai quasiment pas de balles que j'ai ramassé, et un autre petit flingue tout pourri. Donc je me bats avec mon lady finger et puis j'ai ma machine gun au cas où. Regardez, j'ai que 24 balles, voilà, donc une grosse machine gun, sympathique. Mais quand même on a un boss à tuer. Voilà, et donc tu vois les legs qui arrêtent pas de faire le con là. Expertise au pistolet, j'ai perdu mon expertise entre les deux sessions. Ah bon? Ouais, Space. C'est normal ça? Moi pourtant je le gardais. Ah non, moi j'avais de l'expertise de SMG au pistolet. C'est bizarre. Space. C'est bizarre. Moi j'ai envie de dire comme c'est moi qui vais devant, ouais. Alors que je suis censé être derrière. Ouais, c'est bizarre. Et allez, viens, on va s'occuper. Ce sera niveau 5 pour moi. On va s'occuper de 9. Du coup, j'ai pas regardé, attends. Oui, je suis dans 300 d'XP, je suis niveau 5. Oui, bah voilà, tu vas sur 9 orteils et puis ouais. Oui, voilà. Allez, ça ira. Voilà, donc pour de l'argent ici. Du coup, on est revenu jusque là, on n'a pas avancé plus. Voilà. Hop. Avancez pas plus que vous. Tiens, bah ici, il y a peut-être des munitions, vas-y. Peut-être des munitions. Ouais, il y a des munitions. Ah, intéressant, voilà. Intéressant. C'est des munitions de combat threefold. Là aussi, on a des centrax pas, je les ai prises. Des sous. Puis là aussi, il y en a de. Peut-être pour toi, je crois. Combat rifle. Je crois que c'est ça que t'as. Non. Non. Si. Si, voilà. Ok, donc t'es ready? Ouais. Bah tu sais quoi, je vais prendre du coup ma nouvelle arme pour pouvoir la tester parce qu'elle fait quasiment double dégâts. Ok, vas-y, je te laisse passer devant. Ouais. J'aime pas quand tu dis ça parce que. Pourquoi c'est un trou là? Non, t'inquiète, c'est. C'est pas juste un truc où il y aura un boss et. Non. Non. C'est juste 9 orteils. Yeah. Petite animation. Ouais. C'est parti. Oh, des tas de skag. Ouais. Le mec a rien à foutre. Occupe-toi surtout de 9 orteils. Il est où? Tu le vois pas là? Si, en fait. Ah. Bon, moi je vais m'occuper d'index et de machin. J'ai plus boubou. Ouais, moi non plus. J'ai plus beaucoup de santé non plus. Critical shot. C'est bon, je me le finis. Niveau sub, bah tu m'étonnes, ouais, je viens de battre un boss. Ah, j'ai gagné 15 000 trucs. Par contre, je suis en train de me faire. Ouais, t'inquiète, je viens t'aider. Aïe. Aïe. Méchant. Je tire sur petit doigt. Petit doigt, attends, je viens t'aider. Par contre, moi, il y a un deck qui est en train de me faire chier. Attends, je récupère tout ce que j'avais avec moi. Non, d'accord, j'ai compris, je peux crever en fait. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Tiens, voilà. Vas-y, hop. Comme il y avait combat threefold, celui-là, je prends. En fait, les balles, tu les récupères surtout par rapport aux armes que tu cibles. Ouais. En fait, ça s'adapte. Ici, il y en a pour toi c'est des munitions. C'est ramassé un truc bleu. Oui, c'était le pistolet du mec. Et il est fort, je suppose, puisque bleu, on en a pas vu les armes. Ouais, ici, tiens, il y a un max de munitions pour toi, ici, si tu veux. Oula. Ok. De l'argent, un petit coffre. Ça fait toujours plaisir. Et donc, il y a. Attends, il y a un truc là. Un fusil à pompe. Une espèce de chiotte qui s'ouvre, je peux l'ouvrir. Ouais. Deux munitions. Bah, tiens, je te laisse le fusil à pompe. Il y a un pompe. Attends, il est où? Là, à l'endroit où il y avait le boss, ici.
Et il y a des munitions aussi pour toi. Oui, des munitions, ouais. Ça je prends. Je suis full munitions si tu veux récupérer ce qui reste. D'accord. Et un shotgun. Hop. Bah tu sais quoi, je crois que je vais changer mes armes. Enfin, j'ai regardé un vite fait hein, ce que j'ai. Mais est-ce que le Ladyfinger est mieux? Ben, il y a une touche pour comparer, c'est E. Ah oui, E, comparer, exact. Hop. Avec le Ladyfinger. Ici, un autre coffre d'armes. Ah, le shotgun fait moins de dégâts. Ah non, non, pardon. Le shotgun fait plus de dégâts parce qu'il tire plus de balles d'un coup. Ouais. Il est moins précis, beaucoup moins précis, une cadence de tir beaucoup plus faible. Donc non, je vais garder mon Ladyfinger. Ok, tu. Ah, ici, il y a ça. Donc, ok, donc. Tes munitions de shotgun, mais je les, je les ai prises. Oui, vas-y. De toute façon, le scattergun, là, enfin le pompe, je l'utilise pas. Tu l'utilises pas? Non, je sais pas. Si tu veux, j'ai des armes en plus. Donc, ah bah, ça se peut qu'on se fasse un petit échange après, là. Ouais, un échange de bons procédés, bien sûr. Voilà. Hop, voyons voir ce que j'ai. J'ai peut-être aussi des pistolets pour toi. Que je rate, puisque j'en ai. Il y a des chiottes à ouvrir ici. Donc, The Clipper. Hop. Ah, des cartouches de shotgun aussi. J'ai The Clipper si tu veux, qui est. C'est quoi? Bah, surtout qu'il est élémental. Ah oui, la petite arme du. Du boss, ouais. Du boss. Si tu veux, j'ai des repeaters. En fait, le problème, c'est que là, vous voyez, si je regarde l'écran de Tedrashix, moi je vais pas bouger, donc ça va voilà. Juste prendre un petit moment. Donc, si tu veux, j'ai plein de pistolets. T'as une arme qui fait 17 de dégâts? Ouais, mais. Nasty repeater? Mais c'est mieux de prendre le double repeater parce qu'il fait deux fois. Ouais. 13 fois 2, donc voilà. Et l'autre là, l'arme bleue que tu viens de récupérer là? L'arme bleue, c'était celui-là. 8, et elle fait quoi? Bah, elle est élémentale feu quoi. Elle peut enflammer les ennemis. Ouais. Ah ah. Sympa. Ouais, mais. Je te laisse la garder. Oui, à la limite, oui, le. Le double repeater? Ouais, faut juste que je compare avec mon petit flingue. Tiens, hop, bah je te l'ai jeté devant, vas-y, je te laisse te récupérer. Hop, après tu me diras comment est-ce que je fais pour jeter mon flingue. Non, mais tu vas ton flingue, tu vendras. Non, tu veux pas le. Attends, c'est inventaire, c'est ça. Voilà. C'est, Mais en fait, tu l'as déjà équipé parce que t'as laissé appuyer sur E. Oui, c'est ce que je fais à chaque fois. Parce qu'en fait, quand tu laisses appuyer sur E, et ben en fait, ça t'équipe directement de l'arme. Ouais, bah tu sais quoi. Je crois qu'en fait celle que j'ai est mieux. Enfin bon, après c'est peut-être que mon avis, mais. Bah tu revendras le double repeater et puis voilà. Ouais, bah on va. Ouais, je vais rester comme ça. Donc avec. T'es en train de me tirer dessus, je le vois. Ouais, mais comme tu prends pas de dégâts, on s'en fout. Ouais, non. C'est pas cool. Bon bah voilà, donc on va reprendre. Je suis désolé, hein. Prends pas de temps. C'est bon? Je vais regarder s'il y avait pas d'autres trucs à piquer. Non, j'ai déjà fait le tour. Ouais, on sort par où? Par ici. Par là on est venu. Voilà. Ah oui, genre le monde charge il sera actif que quand t'as fini quoi. Ouais. Normal. Oula. J'ai eu un petit coup de. Bah, je suis parti. Ok, moi je suis passé à travers, je crois. Vas-y, là tu montes. Mais non, je crois que je suis buggé en fait. Ok, bon bah, redescends. Attends, je ressors du truc. Oulalalalala. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, attends. Non! Regarde, je suis dessous. Vas-y, recule, éloigne-toi. Je peux pas reculer. C'est immense, mais voilà, vas-y, reviens. Vas-y, saute, vite. Voilà, c'est bon. Voilà, sinon mes points de compétence. Ah oui, tes points de compétence. Du coup, j'en ai récupéré. Donc vas-y, donc tu vas sur... Je pense que c'est uniquement celui qui a écrit 0 sur 1. Ouais, pour l'instant, t'as que lui. Ok, donc vous devenez invisible et incroyablement rapide, entrer et sortir de l'hyperphase pour une explosion phasique qui blesse les ennemis à proximité. Une attaque de mêlée permet de sortir plus vite de l'hyperphase. Ok, donc ça, je vais le prendre. Et ça s'active comment, alors? Vas-y, sors, ils vont te le dire. Je sais pas quelle touche t'as mis. Bon, bah toi, c'est 9-0. Voilà. Okay. Ah oui, effectivement, j'avais mis activer une compétence. Donc si je l'active et que je mets un coup de corps à corps, ça l'arrête. Vas-y. Bah vas-y, fais un petit test. Vas-y. Voilà. Ouais, ah, effectivement, je suis beaucoup plus rapide comme ça. Donc là, vous voyez qu'elle est un peu transparente, mais en fait, les ennemis la voient pas quand elle est dans... Enfin, quand elle est. Oui. Enfin, quand il est, plutôt. Ouais, bah, quand mon personnage féminin est... Voilà. C'est pour ça qu'il est... Et quand elle rentre et qu'elle sort d'hyperphase, c'est ses capacités, elle fait des dégâts. Enfin, il. Oui, non, mais tu peux dire elle, parce que au moins les gens ils comprendront bien que c'est mon personnage.
Et toi, tu as débloqué une capacité. Ouais, moi c'est ça. L'aigle. Tu peux balancer un aigle. Au début. Parce que ça ressemble pas à une chauve-souris ton truc. Ouais, si tu veux. Ou alors il est complètement bugué, je sais. Ah ah. Ok, madame. Ok, voilà. Donc, moi j'ai entendu regarder, il y a un magnifique bouclier là pour niveau 10, mais qui coûte extrêmement cher, c'est bien dommage. Est-ce que tu as des armes que tu voudrais que je te donne avant de tout vendre comme un gros porc? Non, moi c'est bon. Enfin, non, mais regarde rapidement quand même. Le surplus, repeater, non, nul. C'est bon. Le terrible scattergun, tu veux? Non, c'est bon. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Donc je peux tout vendre, c'est génial. Voilà. Tu vois donc le. Ouais, par contre, il est niveau 10, quoi. Ouais, il est niveau 10 et il coûte hyper cher. 7000, ouais. Enfin, hyper cher pour notre niveau, je suppose qu'après. Pour l'instant, ouais. Êtes-vous sûr? Mais quand je suis à niveau 7, je pourrais te placer merde. Donc, ouais. Ah, je peux pas te sauter dessus, c'est dommage ça. Sinon, il y a un bouclier pour niveau 7 dedans. Ouais, non, mais j'ai une capacité, déjà. Mais bon, c'est pas top. J'ai déjà un bouclier. Juste, est-ce qu'on peut attendre les 45 secondes de renouvellement juste pour voir ce qu'il nous propose après? Ouais, si tu veux. Hein, histoire de voir un peu. Mon plan de sauvegarde est déjà activé. Hop, et lui il propose dans 19 minutes. Ok, bon, bah il peut aller se faire. Voilà. Exactement. Moi je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, ça c'était le Zibro. Oui, c'est autre chose, ça. Ne vous inquiétez pas, tout se passe. Ok, un bouclier de niveau 10 il propose. Capacité 118, cadence en charge 26, qui est bien. Bonus de santé de 30%. Par contre, c'est niveau 10 et il coûte 3500. Donc, ouais. De toute façon, c'est trop cher pour moi. Bah voilà, on peut se barrer. Ouais. C'était juste pour voir rapidement. Hein. Ouais. Ah bah. Voilà. Ouais, c'est fou voilà, parce que toi. Plus. Ouais. On peut voir qu'il y a quand même un système de niveau. Hein. Quand même, on voit que les armes de niveau inférieur. Attention. Mais c'était du shotgun en fait. On peut voir que les armes de niveau inférieur, pas des armes, les mobs de niveau inférieur maintenant, on les shoot facile et surtout on gagne moins d'XP. Ça c'est dommage. Non, c'est par là. Mais bon, en même temps, s'il n'y avait pas de système d'XP, hein, on progresserait beaucoup trop vite. Attends, c'est par là ou... Ah, je sais plus exactement par où on doit aller, c'est au rapport. Ah si, c'est... Faut descendre ici. On doit aller voir un machin là qui nous a donné la quête. Oui, c'est... C'est le Dr Z, je crois. Bon, vas-y, on peut. Non, c'est pas le Dr Z qui nous a donné la quête. Si, c'est Dr Z. C'est l'autre drogué. Hein. Ah oui, c'est Aspect soit TK qui nous l'a donné. Oui, voilà. Je sais plus. Je sais pas où t'es. À côté. Ok. Je prends des dégâts. Ouais. Allez, Sanguine, rends-toi utile un peu. Voilà. Bon, bah, pas grave, rends-toi pas utile, c'est pas grave. Après, l'anaphase, la métaphase, l'interphase, l'hyperphase. L'hyperphase. Ah mince, évidemment, il a fallu que tu mettes ta tête sur la trajectoire, quoi. Bah oui. Ah, il y a une petite arme moisie. Je la prends. Putain, j'ai encore appuyé comme un porc. C'est pas ça que je voulais faire. Du coup, j'ai changé mon arme. C'est pas ce que je voulais faire. En fait, je laisse appuyer tout le temps. Ah! Ok. Fais gaffe, il y a plein d'ennemis. Je suis en train de bugger. Il y a plein d'ennemis. Je suis en train de bugger. Ouais, mais il y a plein d'ennemis. Et sous. Machine gun. Ce qui est bien, c'est qu'avec la machine gun, ça va très très vite. Bon, bah, je suis niveau 16. 16? Ah, 16, 6. Je suis niveau 16. Je fais quoi? Quoi? Pardon? Mais non, en fait, il me l'a remis là. Du coup, je vais pouvoir remettre un autre point de compétence, c'est cool ça. Attends, non, peut-être parce que. Ouais. Et tu penses que du coup, t'as débloqué une nouvelle compétence en mettant la première? Ouais, c'est. Niveau 6, il va être un peu loin de toute façon. Allez hop, on retourne voir TK ou je sais plus qui machin. Il me semble que c'était lui. Hein. Ouais. C'est parti où? Là, ici.
sur le chemin. Je sais pas, je me paume un peu. Tiens, attends, je vais juste remettre. Qu'est-ce que ce sera point de compétence. Non, flingueur, non. Par contre, attendre d'aller. Moi, je vais regarder un peu ce qu'il y a aussi comme compétence. Nombre de loot en plus, non. Ouais, frappe agile. Ouais. Allez, hop. Dans notre cadre de tir avec toutes les armes, on va le probabilité d'infliger des dégâts élémentaires avec des armes élémentaires. Il y a eu cause d'un infliction de blessure critique, on va faire des à tous les dégâts pendant quelques secondes après une hyperphase. Moi, perso, plutôt au contrôle, hein, le truc. Hop. Bon, après, faut aussi regarder ce qu'il y a derrière la SCA, il y a la SCA après. Bon, vas-y, moi je t'attends. Je te propose de couper. De couper maintenant là. Ouais, de couper de façon à ce que ce soit pas trop long chargement. Ah oui, couper le chargement, oui. Ouais. Vas-y, vas-y, je te charge des boutons. Ok, à tout de suite. Hop. Heureux. Voilà, voilà. Donc on va aller rendre cette cut et puis on va s'arrêter là. Voilà, voilà. Exactement. Vas-y, je te laisse me suivre. C'est pas sur des skacks devant. Bon, attention, c'est bon maintenant, en fait, on s'en fout un peu. C'est ah, attention, un skag. Vas-y, maintenant, on les tout shoot au corps à corps. Trichotte. Ouais, trichotte, ça dépend de ton niveau. Oui, ben, toi, t'as un niveau de plus que moi. Bam. À mon avis, tu vas progresser très très vite par rapport à moi. Ouais, bah, de toute façon, j'ai plus l'habitude, alors. Voilà, disons que tu connais le jeu aussi. Voilà, bon, ouais. Vas-y, raccourci, hop, on passe par là. Le raccourci, de où? Ouais, tu des cailloux, là, comme ça. Bah, de rien à foutre et tout. Ah, un Sky, salut. Attention, d'autres. Enfin, d'autres. Après, j'avais envie de m'éclater en passant en mode furie. En mode hyper fan. Voilà, bon, allez, hop. Bah non, mais c'est vrai. Du coup, c'est TK qu'il faut qu'on aille voir. Oui. C'est vrai. Moi, j'étais parti pour retourner voir Docteur Z. Ah. Bon, bah, du coup, il y a des balles aussi. De sniper en France. Ouais, non, mais ça, on en fout. D'accord, le Skag, il est totalement en train de veiller. Oh, du coup, voilà, j'arrive pas à le viser. Ok, les trucs qui sortent. Attention, il y a deux Sky. Attention, tout ça. Bah oui, ok, t'es pas parti du même côté que moi en fait. Voilà. T'es parti où toi? Oh, je suis parti le voir. Ah d'accord, toi t'es pas passé du tout par le même coin que moi. Non. Je suis pas obligé. Hop. Alors comment est-ce qu'on fait pour parler déjà? F. Ah, toi c'est F. Voilà. Bon, bah, F. Ah, voilà. Bah on va voir Z et puis... La récompense. Bah oui, de toute façon, c'est pas le voir Z. Hop. Allez, voilà. C'est parti, retournons voir Z. Je suis passé niveau 6 aussi. Ah bah cool, tu vas pouvoir augmenter encore une fois tes capacités. Oui, oui. De toute façon, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Tricheuse. Je sais. C'est pas juste. Hein. Comment tracer tes marches? Non mais c'est pour mieux t'attendre. Ouais. On va dire ça. Non mais je vais aller voir dans le truc de Boubou en fait. Ok. C'est tout. Hein. C'est juste ça. Non, c'est un bouclier moisi qui vend. Hop. Je vais juste aller voir mes compétences, franchement. Je m'en fous. Quoi? Non, tu veux pas plutôt me donner un coup de main pour mes compétences? Donc, voyons voir un peu enfin, tes compétences. Donc ça augmente la résistance, augmente les dégâts critiques, augmente la probabilité d'infliger des dégâts élémentaux avec les armes élémentales, augmente la cadence de tir. Les attaques au corps à corps repoussent les ennemis et ça les sonne. Mm-hmm. Et là, ça augmente la capacité de boucler. Bah, ça dépend si tu vas plus au corps à corps ou si tu comptes rester un peu plus derrière. Ouais, moi j'aurais plutôt eu tendance à utiliser le truc là, augmente la capacité de bouclier. Ouais, bah si tu 5%, veux. C'est pas énorme. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Non, allez, c'est pas ça que je vais faire. Et du coup, j'ai un mode de grenade. J'y connais rien. Un mode de grenade. Ouais. Ah, t'as acheté le truc spécial? Non, c'est la récompense de quête. Je l'ai pas eu, moi, forcément. Bah oui, c'est moi qui ai rendu la quête. N'importe quoi. Enfin, je crois que tu l'as pas eu. Non, je pense pas. T'es sûr de ne pas l'avoir eu? Je pense. Bon, bah. Ah, si. Si, il l'a eu. Merde, il l'a eu.
Pourquoi tu lui as donné? Pourquoi? Bon, voilà. Et ça me l'a équipé automatiquement. Oui, puisque c'est le premier tas. Donc, voilà. Okay. Moi, je revends quelques armes que j'avais récupérées. Ah d'accord, t'as récupéré un truc. Attends, enfin, j'ai récupéré une arme, en fait. Mais... Bon, bah du coup, hop, je vais faire la quête suivante. Tac. Pas de prime consulté. Ah, voilà, c'était Ta gueule, toi. C'était un petit flingue, mais... Hop. Toujours ouvrir la boîte aux lettres, quand même. Toujours ouvrir. Ah, yes. Le truc avec les autolocs, c'est trop bien ça. T'es qui à la vue? Yeah, man. Faut qu'on fasse quoi? Bah, on fera ça à l'épisode prochain. Oui, mais faudra qu'on fasse quoi? Parce que c'est... On va pouvoir. Tiki Abba. Enfin, ça va être la. Non, on va pas faire la. On va pas retourner voir TK. On va d'abord faire la quête avec l'autre mec de façon à pouvoir utiliser l'autolock. Un donc... Battle Cobra. Je te coupe totalement. C'est bien ça? Bon. Ça m'a l'air plutôt sympa. Hein. Il a l'air pas mal. Ouais. Si t'as assez, prends-le. 1120, écoute, j'ai 4000. Sûr. Ok, par contre, c'est des balles de quoi qu'il faut? Ça, c'est fusil d'assaut, je dirais. Est-ce que j'ai ça? Normalement, ouais, t'as ça. Attends, du coup, je vais me faire un petit truc bien sympathique. C'est-à-dire Battle Cobra et Machine Gun. Ça va être n'importe quoi. Du coup, j'ai mon Lady Finger, si tu le veux. Non, c'est bon. Il fait quand même plus 100% dégâts critiques. Ah, bah, je sais pas, on verra ça. On verra ça à l'épisode prochain. Voilà. Allez, hop. Bye bye. J'ai 12 balles de bah, du truc, donc je sais pas des balles de quoi c'est. C'est des balles de. Si j'en ai 12. Si j'en ai 12, pourquoi c'est pas affiché? Peut-être parce que t'as pas rechargé. Ouais, je préfère ça. C'est des balles de quoi donc? Bah, 12 plus 268, donc on a 281, donc c'est les balles fusil d'assaut, je dirais. Fusil d'assaut. Et ouais. Machine gun, c'est quoi là? C'est les mêmes? Machine gun, moi. Bah, fusil d'assaut ou machine gun, je crois, c'est pareil. Ouais. Ah, je suis pas sûr, j'en ai d'autres. Si, c'est la même chose. Ah, du coup, peut-être, en fait, je vais peut-être garder mon Lady Finger et lâcher ma machine et te lâcher ma machine gun. Bon, bah, vas-y, donne. Parce que, enfin, je pense que ça t'intéresse. Donc, tu vas dans ton inventaire. Je fais quoi, je fais. Puis tu fais espace. Espace. Voilà, jeter. Hop, et donc là, tu l'as jeté où? Devant. Ici. Bon. Je pense qu'il devrait te plaire. Hop. Ça te fait une bonne arme secondaire. C'est cuit. Bon. Ça, c'est dit, bon, ouais. Bah, sur ce, on va se laisser. Hein, allez. Allez. Bye tout le monde. Salut.